Eh mémé, c'est demain qu'il faut aller au fer à cheval. Mais comme on descend, on va pas y aller. C'est demain où il faudrait aller au fer à cheval. Oui, ben on verra même Ah, parce que là, c'est du lourd, hein. Est-ce que je n'étais pas victime d'une mauvaise farce? Est-ce que ce n'était pas une machination du baron de Charlus qui souhaitait, pour me punir, me faire jeter à la porte d'une demeure où j'irais sans être invité? Quelle malchance que la duchesse soit à cœur de me donner son avis. Le jour même où devait avoir lieu la soirée chez la princesse de Guermantes, j'apprends que le duc et la duchesse étaient enfin revenus à Paris depuis la veille. Madame la duchesse, peut-elle me recevoir? Monsieur le duc et madame la duchesse sont sortis de bonheur et ne sont pas encore là. Pour ne pas manquer leur retour, je me mis en observation dans notre escalier. La précieuse orchidée de madame de Guermantes était exposée dans la cour. Et je me demandais si par un hasard providentiel, l'insecte tant désiré allait venir la féconder sous mes yeux. Je trouvais la figure de monsieur de Charlus quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien il eût été fâché s'il avait pu se savoir ainsi regardé. Car ce à quoi me faisait penser cet homme si épris de virilité, c'était à une femme. Le hasard mit face à face le baron et Fulpien, le giletier, dans cette cour où ils ne s'étaient jamais rencontrés. Julien faisait salir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. Elle était empreinte d'une étrangeté, d'un naturel dont la beauté allait croissant. Trois cents mètres. Quoi, 300 mètres? J'ai vu l'éclair et après le tonnerre a commencé vite de suite. De travers, est-ce qu'il peut pas prendre la route? Non, il a pas l'air. Je vais prendre des feux, mais je vois que vous voulez. Rentrez chez moi, on donnera tout ce que vous voudrez. Par le hasard d'une indisposition de madame de Villeparisis, monsieur de Charlus avait rencontré Jupien, qui avait lui, l'homme destiné pour que les hommes du genre du baron aient leur part de volupté sur cette terre, l'homme qui n'a plus que mission. Lointain de mon enfance me revenait comme un écho. C'est vrai, je suis.